C'est un défilé de camions depuis 6 heures ce matin et il ne faut pas traîner. À peine les palettes de nourriture chargées, les chauffeurs, tous bénévoles, vont livrer les centres de distribution. Ben là, moi j'ai du lait, là il y a une palette de lait, il y a des légumes, il y a un peu de tout, il y a du frais, il y a un peu de tout. C'est parti pour la campagne. Quoi. C'est parti pour la campagne, voilà. Oui, ben, il faut 58 colis. Oui, d'accord, et 5 c'est ça. C'est bien ça. On a vérifié, c'est bon. Donc l'épaine boulonnaise, c'est pareil, tu as 8 colis et 4 boîtes. Oui, 8 colis et 4 boîtes. Une organisation bien rodée pour cette 31e campagne des Restos du Cœur. Gros boulot. Il y a beaucoup de responsabilités, il faut être à l'heure, même pour les chauffeurs. Il faut être à l'heure dans les centres. Rien que sur la plateforme logistique, 35 bénévoles et 18 salariés d'un chantier d'insertion s'activent à la préparation des colis, des repas équilibrés qui partent tous de ce hangar. Donc pour nous, c'est 76 centres de distribution, 67 centres d'activité, parce qu'on ne fait pas que de la distribution alimentaire, loin de là. Et on a 250 communes qui sont rattachées à ces 76 centres. Et c'est une petite partie du territoire du Nord. Les bénéficiaires sont chaque année plus nombreux. 113 tonnes de nourriture seront livrées chaque semaine au départ de Rheims durant toute la campagne hivernale.